L'équilibre vie-travail, en fait, c'est un concept qui est euh, en changement. Le Harvard, le Harvard Business Review, en, en 2013, a indiqué que c'est plutôt l'intégration vie-travail. Donc, c'est d'amener les gens à changer leur perception. Ce n'est pas une question d'avoir une équité entre le travail et la vie, mais de com comprendre que le travail fait partie de notre vie. Ce n'est pas un ou l'autre. Euh, mais aussi, ce qui est important selon cet article-là, c'était de voir c'est quoi nos priorités, vraiment de prendre le pouls de qu'est-ce qu'on on veut prioriser, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans la vie, et aussi de regarder euh, qu'est-ce qui est dans notre sphère de contrôle. Puis ça, ça va vraiment aider à intégrer la, le, le concept de vie et famille, de prioriser, de, de, de savoir qu'est-ce qu'on veut euh, atteindre dans notre vie et euh, de voir ce sur quoi on a du contrôle. Donc, puis ce sur quoi on n'a pas, il faut vraiment développer la compétence de lâcher prise. Donc le, le conflit de vie travail, selon les chercheurs euh, canadiens Higgins, Duxbury et Lyons, ils ont fait plusieurs études euh, nationales au, au sujet du conflit de vie travail et pour eux, c'est lorsque la famille entrave avec le travail ou que le travail entrave avec la vie familiale. Puis pour eux, il y a deux concepts différents. Il y a euh, les éléments pratiques, donc le temps et l'horaire, donc vraiment la charge euh, de travail, mais aussi les éléments perceptuels. Donc, est-ce que je me sens, est-ce que j'ai l'impression d'être surchargée, surménage, est-ce que euh, j'ai l'impression d'avoir plusieurs rôles, pas juste l'impression, mais euh, j'ai plusieurs rôles à, ou plusieurs chapeaux à porter. Donc, c'est vraiment au niveau de ma perception de ma situation. Les défis, selon ces chercheurs-là, ils l'ont séparé en quatre catégories. Donc, vraiment, il y a la surcharge du rôle. Puis, euh, depuis la dernière décennie, d'ailleurs, 11 des euh, travailleurs au Canada ont admis avoir l'impression d'avoir une surcharge de travail additionnelle. Il y a l'interférence euh, du travail dans la vie familiale. Puis ça, depuis 2001, 28% des Canadiens ont en fait euh, énoncé comme quoi qu'il y avait ce, ce conflit-là du travail qui interférait avec la famille. Il y, il y a la famille qui interfère avec le travail. Puis ça, c'est vécu euh, 10% du temps par les travailleurs canadiens. Et enfin, les pressions additionnelles que peut vivre un aidant naturel. Quand on parle d'aidant naturel, on parle de parents qui s'occupent de leurs enfants, euh, d'enfants qui s'occupent de leurs parents vieillissants, ou encore euh, peut-être qu'on doit s'occuper euh, d'un membre de la parenté euh, élargie, ou encore un conjoint ou une conjointe qui euh, qui vivent une, une maladie. Donc, ces aidants naturels-là aussi ont une, une ajoute à la charge du conflit euh, vie-travail. Les directions d'écoles en Ontario, donc il y a eu une étude qui a été faite par docteur Pollock de l'Université Western, euh, et les répondants ont indiqué que leur de, selon eux, leur degré d'atteinte d'équilibre euh, vie-travail, euh, seulement que 14 ont répondu qu'ils sont capables d'atteindre cet équilibre-là, soit souvent ou toujours. Mais la majorité ont indiqué rarement ou jamais. Ce qui a été intéressant aussi, c'est euh, que les résultats ont, ont soulevé que les directions trouvaient, 72 des directions trouvaient qu'ils devaient euh, travailler de très longues heures et qu'ils avaient l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour accomplir leur travail. Euh, Puis d'ailleurs, les, les directions ont soulevé qu'ils travaillaient en moyenne près de 60 heures par semaine. Bien qu'on veuille faire une intégration vie-travail, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle les crunch times, donc les, les moments beaucoup plus intensifs. Docteur Posen, il nous fait un parallèle avec les athlètes professionnels. Donc l'importance de prendre des pauses. Euh, L'idéal, c'est de prendre une vacance, une fin de semaine, mais encore une fois, il y a des moments où est-ce qu'on n'a pas cette occasion-là pour quelle que soit la raison. Donc, c'est d'être intentionnel pendant la journée euh, et de prendre des, des blocs de 5 minutes, dix minutes pour se ressourcer. Parce que comme un joueur professionnel, il ne sera pas en mesure d'être euh, à son plein potentiel s'il si est complètement épuisé. Donc, si c'est pas reposé, c'est important que les gens, que tous prennent. Conscience de l'importance de l'intégration vie-travail, euh, de comprendre que ça, ça, ça fait partie de notre vie, le travail, mais que ce n'est pas la seule composante de notre vie. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de développer les autres sphères de notre vie. Mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde parce que les situations familiales de chaque personne varient immensément. Aussi, euh, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, en on remarque que les hommes et les femmes ne, ne vivent pas les mêmes défis au niveau de l'intégration vie-travail. Donc, les femmes sont encore plus sujettes à euh, avoir une responsabilité familiale ou d'aidant naturel. De, de plus en plus, les hommes euh, ont ce rôle-là, euh, mais encore une fois, historiquement, c'est quelque chose qui se repose davantage pour les femmes. Euh, aussi, les priorités de chacun. C'est différent au niveau euh, de qu ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie. Et enfin, les croyances qu'on a en tant que direction ou en tant que professionnel de qu'est-ce qu -ce qu -ce que c'est une bonne direction d'école. Donc, nos, nos croyances, nos valeurs vont venir ajouter à la manière, vont venir teinter la manière qu'on tente d'intégrer euh, la vie et le travail. Je pense que c'est important en tant qu'individu, en tant que professionnel, de réfléchir à la place qu'occupent nos différentes priorités dans notre vie. Parce que si on ne prend pas un temps pour réfléchir à ce sur quoi on va intentionnellement mettre notre temps et notre énergie, euh, on va passer des années entières, puis de, de, de se réveiller un matin, puis de se dire Mon Dieu, où, où est-ce que le temps est passé? Plusieurs chercheurs ont. ont Diviser la semaine en trois blocs pour un total de 168 heures. Il y a 168 heures dans une semaine. Que tu sois Oprah Winfrey, Brad Pitt ou euh, Alexandra Fortier, on a tous 168 heures. C'est qu'est-ce qu'on décide de faire avec ces 168 heures-là qui va faire la différence. Donc, si on, on regarde, les, donc la recherche avait démontré qu'en Ontario, les directions en moyenne travaillent 58 heures par semaine. Donc, si on a 58 heures par semaine, ça c'est un bloc. On a un bloc de sommeil, l'idéal, 8 heures par soir d'un bon sommeil reposant. Ça, c'est 56 heures. Mais il nous reste 54 heures, 54 heures pour faire d'autres choses. Donc, d'autres choses étant notre famille, nous-mêmes. Donc, quand on, quand on le, le compartimentalise de cette manière-là, on se rend compte, ah, oh, j'en ai du temps. Mais si je cuisine avec l'intention que je suis présentement, dans mon bloc autre, euh, ben je vais cuisiner avec une intention que je le fais pour moi ou je le fais pour ma famille. Donc tu profites de ce temps-là plutôt que de le faire vite fait puis toujours être à la course. Quand on est à la course, on ne se rend pas compte qu'on est en train en fait de vivre notre vie. Donc ça c'est euh, un élément. Un autre élément aussi c'est de, de faut être au courant de qu'est-ce quelle est notre situation? Donc, pensez, quel est votre contexte? Euh, quelles sont vos responsabilités familiales? J'avais mentionné que euh, l'intégration vie-famille va varier par personne. Bien, c'est de voir pour vous qu est quelle est votre réalité. Quelle, quelles sont vos, vos responsabilités professionnelles en tant que direction, Puis, La liste est longue, mais c'est de regarder à même ce rôle-là euh, quelles sont vos priorités, ce sur quoi vous avez du contrôle et ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, d'apprendre à lâcher prise. Pour savoir si j'ai une bonne intégration vie-travail, vraiment, prenez le pouls de c'est quoi votre situation actuelle. Quelles sont les composantes pratiques, mais quelles sont aussi vos perceptions? Est-ce que vous vous sentez euh, bien, euh, vous êtes heureux des différentes sphères de votre vie, ou est-ce que vous avez l'impression, oups, peut-être qu'il y a des choses que j'aimerais améliorer, j'aimerais ça être en mesure d'aller au soccer de, de mon fils un lundi soir ou euh, j'aimerais ça pouvoir euh, le dimanche pour rentrer au travail une semaine sur deux donc c'est de vraiment prendre le pouls de c'est quoi votre, votre situation c'est quoi votre perception puis votre niveau de satisfaction quelle est votre satisfaction au niveau euh, de votre travail euh, de la qualité du travail que vous êtes capable de, de, de générer est-ce que ça répond à vos pour ses aspirations professionnelles. Est-ce que vous avez l'impression que l'aspect famille-travail ou travail-famille ça, ça s'intègre bien ou vous avez l'impression que l'un ou l'autre de ces aspects-là entrave à, à l'autre sphère? Enfin, c'est de regarder c'est quoi votre rôle et responsabilité en termes d'aidant naturel. Parce que souvent, on y pense pas, mais ça ajoute un, un très grand poids à. Euh, L'intégration vie-famille. Donc, dans notre volet ou dans la, la composante autre, le 54 heures, si on s'occupe d'un parent malade, par exemple, euh, ça va gruger beaucoup, beaucoup de temps. Servez-vous de votre, votre, votre baromètre perceptuel. Donc, si vous sentez que vous manquez de temps, si vous sentez que vous êtes en surménage ou que vous êtes stressé, ou encore si vous commencez à remarquer que vous avez des signes et symptômes, soit physiques, psychologiques ou émotionnels, qui. Euh, sont, sont exponentielles, sont, sont, sont plus grands que d'habitude. Donc, si vous so souffrez d'insomnie alors qu'en temps normal, vous ne souffrez pas d'insomnie, vous dormez bien. Euh, si euh, vous commencez à répondre aux gens, peut-être au, 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 à l'école, euh, vous êtes patient, vous êtes, vous êtes engageant avec les gens, mais quand vous arrivez à la, à la maison, vous êtes bête avec tout le monde, euh, ça, ça peut être un indicateur. Donc, c'est de regarder aussi là où se trouvent vos symptômes, dans quelle sphère de votre vie parce que ça va avoir une très grande incidence, justement. Une autre façon de savoir si j'ai une bonne intégration euh, vie-travail, Docteur Nixon, en 1979, avait créé une, une belle courbe. Euh, C'est une, une courbe pas tout à fait normale, mais qui démontre... Il a, parce qu'il y a du bon stress et il y a du mauvais stress. Et trop souvent, on dit « je suis stressé » et on le voit d'une façon... On, ça a une connotation négative. Mais il y a un bon stress. Tu sais, quand on sent... Euh, L'expression I'm in the zone, je produis, je produis, je suis une machine. Mais ça, c'est notre, notre, notre euh, zone optimale. Donc, c'est notre, notre zone performante. Sauf que si on continue à travailler pour, euh, parce qu'on trouve qu'on a trop de travail, je vais travailler, je vais travailler, à un certain moment donné, on devient inefficace. Et c'est là où est-ce que les dangers de se rendre vers un épuisement professionnel surviennent. Donc, ça, c'est le trop de stress ou le stress chronique.